est trop long que t'es serré dans tes pantalons. Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et mini-justicier. On est en finale, je vous dis. On est en finale. Je peux faire le match avec vous. Je suis tout le temps remplaçant depuis le début du tournoi. Oh non, Berk. Je suis désolé, je suis tellement content que je transpire un peu. T'es qu'une serpillière dégoulinante. Une vraie fontaine de sueur. T'es sur le banc des remplaçants et tu vas y rester, c'est compris? Gérard, tu n'as pas encore joué. Va remplacer Enrico. Hein? Hein? Quoi? C'est pas moi, les gars. C'est la maîtresse qui a décidé. Alors, c'est ça, votre équipe de volets? Un nain de jardin et un arrosoir? Yvon, puisque la maîtresse veut que Gérard joue avec nous, faudra que tu sois remplaçant. Si on veut gagner, de toute façon, t'es bien trop petit, t'arriveras jamais à toucher le filet. Si j'arrive, regarde. La prochaine fois, Gérard, tu ferais mieux de venir avec ton maillot de bain. Allez, vas-y, Gégé, les écoute pas et mets-leur un smash de ma part. Il y a un carton pour vous, ce sont les... C'est une surprise, j'arrive tout de suite. Les enfants, est-ce que vous êtes prêts? On va les mettre en charpie, il faut viser leurs points faibles, tous les ballons sur... Gérard! Je l'ai! Changement de joueur, Gérard est remplacé par Yvon. Alors Gérard, c'est la douche froide. C'est horrible, je transpire comme je respire. Je ne suis qu'un robinet ambulant. Aïe. Oh, bah ça alors. J'ai le pouvoir de maîtriser l'eau. Je suis devenu... Super la sueur. Hé, hey, t'as oublié d'enlever ton bonnet de bain ou quoi? Wow, Gérard, il assure grave. Dis donc, Lotari, tu sais quoi? Tu devrais retourner dans ton zoo. Du calme, du calme. Qu'est-ce qui se passe? Il suffit que je m'éloigne un moment pour que tout d'un coup je sois n'importe. Oh non! Le feu d'artifice pour fêter la fin du tournoi. Thank you.
Waouh ! Comment t'as fait ça, Gérard ? T'es trop fort ! Je te félicite, Gérard. Tu nous as sauvés. Vous savez, c'est rien. Juste un peu de sueur, ce n'était pas difficile. Mais en attendant, la partie de volet, elle est à l'eau. Ouais, et c'est à cause de vous, tout ça. Vous avez triché, vous êtes que des gros tricheurs. J'ai une idée. Et si on finissait cette partie en faisant du water volet? Du water volet, tu dis? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Alors, Gérard, tu entres sur le terrain et Yvon, bah tu vas sortir, ok? Ben, pourquoi Yvon? Moi, je le veux dans mon équipe. D'accord, Yvon. C'est moi qui sors. Prends ma place. Hey! Vas-y, Gégé, montre-leur ce que tu sais faire. Oh. Wow. Génial le water volley. Ah, 19 partout. Balle de match. Gérard, tout ça c'est grâce à toi. T'as sauvé le match. On a eu chaud aux fesses les copains. Merci à toi aussi Yvon. Ben moi aussi j'ai eu chaud aux fesses, et pour de vrai. Ça creuse le sport. Ouais, et ça fait aussi transpirer un max. C'est pas vrai les gars, hein? Quelle horreur. Si tu transpires sous les bras, n'en fais pas tout un plat, sue comme il te plaira et mets deux éponges comme ça. T'es jaloux, t'es parano. T'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Les mini-justiciers. Et moi, quand je serai grand, je serai prof de gym, comme mon cousin. Et toi, Jean-Loup, tu sais quel métier tu feras quand tu seras plus grand? Moi, je serai cosmonaute. Ben quoi? Faudrait déjà qu'ils inventent une fusée assez puissante pour pouvoir te faire décoller. Super drôle. Ouais, Jimmy, t'es pas très sympa. Tu peux bien devenir cosmonaute même si t'es gros. Quoi? Je suis gros? Non, t'es pas gros du tout. T'es carrément énorme. Les copains, venez voir ce que j'ai apporté. C'est quoi? Trop génial. Cool, 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 cool. Vous venez? Et oh, cosmonaute, va y avoir surcharge là, désolé. C'est bon? Alors en route! Jean-Loup, tu veux bien nous pousser un coup? C'est vraiment trop cool! Au début, c'est moi qui rame. C'est pas la peine. Tony va faire les voiles avec ses oreilles. Je suis pas gros. Ça marche pas, cette balance. Ah.
escaliers. C'est vrai, je suis trop gros. Je suis un gros plein de soupe qui peut même pas monter dans un bateau avec ses copains. Qu'est-ce qui m'arrive tout à coup? Les gars, vous croirez jamais ce que je vais vous dire. Je suis perché sur une fleur. Je suis super gros, l'hippopotame le plus léger du monde. Ouais. Les gars, il y a un trou dans le bateau. Faut vite retourner sur la rive. On va tous ramer, allez. Hé, hey, Jimmy, c'est pas un problème. Regarde, c'est qu'un petit trou, il se bouge facilement. Oula. Les gars, ce que je vous ai pas dit, je sais pas nager. Roger, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour Bip. Jean-Loup, Bip Bip, un grand pas pour Jean-Loup. Et si ça se trouve, avec mon super pouvoir, j'ai même pas besoin de fusée, je peux atteindre les étoiles comme ça, pouf, d'un petit bond. Direction la lune, à moi les étoiles. Non, je peux pas les abandonner. Tenez bon les copains, je viens vous sauver. Hé, hé, les oreilles. C'est pas des bouts de sauvetage. Ne lâche pas, je vais me noyer. Je veux pas mourir si jeune. Pas de panique, les gars, accrochez-vous à moi. Jean-Loup, sauve-moi. Ah tiens, je croyais que j'étais juste un énorme gros plein de soupe. Pas du tout, c'est toi le meilleur de tous, Jean-Loup. C'est aussi toi le plus beau. Et tu n'es pas gros. Wow, cool, c'est génial ça. Une vraie bouée de sauvetage géante. Jean-Loup, comment t'arrives à faire ça? C'est pratique et trop rigolo. Je suis super gros, l'hippo le plus léger du monde. Merci les amis, mais maintenant je vous quitte. Mais pourquoi tu veux partir? Allez, reste avec nous. Vous savez les gars, il y a des occasions dans la vie quand elles se présentent, faut surtout pas les louper, car elles se présentent qu'une fois, alors... Mais pourquoi tu veux partir? Qu'est-ce que je veux devenir sans toi? Où est-ce que tu veux aller? Tu veux pas m'emmener avec toi? Non, je peux pas t'emmener Martin, je vais rendre visite aux étoiles. Quoi? Quoi? Mais c'est impossible. Je serai bientôt de retour. Attention. T'as rien cassé, Jean-Loup? Non, non, ça va. J'ai perdu mon super pouvoir. J'avais raison. Dis, Jean-Loup, tu voudrais pas plutôt devenir sous-marin quand tu seras grand? Tu sais, je suis très content que tu ne sois pas parti dans les étoiles, parce que j'aurais perdu le plus grand et le meilleur de tous les copains du monde. Tu veux dire le plus gros des copains du monde? Si
un jour tu croises un idiot qui ose te traiter de cachalot, dis-lui que t'es peut-être gros, mais que ça vaut mieux d'être un petit lourdeau. Tu sais, Natacha, tu vas pas regretter de m'avoir pris dans ton équipe. Je me suis entraînée toute la semaine. Ah, j'ai rien vu du tout. Ça n'existe pas, c'est un effet d'optique. On va gagner, les doigts dans le nez. On va gagner, les doigts dans le nez. Surtout Timon, les gars. T'as rien vu et ça n'existait pas, c'est ça? Timon, tu fais plus partie de l'équipe! Oh non, Natacha, j'ai pas fait exprès, je suis désolée! On pourrait lui donner une deuxième chance. Pour qu'il nous humilie encore devant 200 personnes et toute la presse locale! Attendez, j'ai peut-être une solution. Non, sérieusement, les filles, j'ai l'air de quoi avec ça? T'as l'air d'un gars qui maintenant ne peut plus mettre ses doigts dans le nez. C'est vraiment la seule solution, Timon. Voilà un très joli saut. 1m30 sans difficulté. Et c'est au tour de Timon qui se croit dans un match de boxe. Quoi alors? Raconte, qu'est-ce que t'as fait? Je vomis ce que j'ai d'enfant si je cours trop vite. Oh. Ha ha ha!
Ça alors? C'est bizarre. Peut-être que le doigt dans le nez, tu y arriverais mieux. Tout à l'heure, je peux te dire que tu l'as bien mis dans le nez. Hein? Tu crois que c'est possible? Waouh! Ma parole, mais t'es devenu super! Ouais, t'as raison! Edouard Charles Alex, t'as totalement raison! Je suis capable de tout faire! Il suffit que je me mette le doigt dans le nez! C'est génial! Je suis super doigt dans le nez! Wouh! Laisse-moi courir! Tu dois me laisser courir! Je suis super doigt dans le nez! Regarde ce que je sais faire! Tu veux que je te ramène la bouteille d'eau qui est au bout là-bas? Déjà? Je suis super doigt dans le nez! Et je vais gagner les doigts dans le nez en mettant le doigt dans le nez! À vos marques! Prêt? Partez! Mais que se passe-t-il? Mais c'est tout simplement incroyable! Timon, est-ce que tu serais d'accord? Enfin, si t'as rien d'autre de prévu pour, si tu veux bien, courir le 100 mètres. Tu veux dire comme ça? Avec le doigt dans le nez? On va gagner le doigt dans le nez! On va gagner le doigt dans le nez! À vos marques! Prêt? Partez! Et c'est Timon qui franchit la ligne d'arrivée, le doigt dans le nez! T'as vraiment été le plus fort. T'en fais pas, c'est déjà oublié. Je suis trop content pour t'en vouloir. Hey. Une photo avec toute l'équipe maintenant. Bah alors, vous êtes tous des gros dégoûtants. Si tu mets ton doigt dans le nez et que t'en sors une crotte de nez, prends bien garde à ne pas rater ton lancer. Sinon, on voudra te casser le nez. Alors Roger, t'es prêt pour notre virée pique-nique en VTT? T'as la pêche? Je sais pas, je suis... totalement rapabla, on sait. Wouhou!
c'est parti. On va faire péter le turbo. Hein, Roger? On n'est pas des mauviettes, nous. Ouais, c'est encore loin, la rivière. Hey, Roger, tu sais qu'il faut appuyer sur les pédales si tu veux avancer. Courage, Roger, il n'y a plus que 10 petits kilomètres à faire. Dépêche-toi, Roger. À cette vitesse, on n'y sera jamais pour le pique-nique. Mais je fais ce que je peux. On pourrait faire une pause. Ah non, on en a déjà fait une il y a 5 minutes. Roger, Roger, est-ce que ça va? Hé, Roger, dis-nous quelque chose. Quelle heure il est? Quel lourd! On n'arrivera jamais au lac avec lui. Bon, écoute, Roger, le VTT, c'est pas ton truc. Tu restes là, tu te reposes et on te reprend au retour. Hein? Non, je veux venir avec vous! Non, tu restes là! À tout à l'heure! On voit bien que vous savez pas ce que c'est que d'avoir un petit coup de mou ou un gros. Quelqu'un pour te pousser ou quoi? Pas du tout! Vous avez devant vous Super la patate! Allez, c'est parti! Direction la rivière, en route! Hé, hey Roger, qu'est-ce qui t'arrive? T'as une fusée aux fesses ou quoi? Oh, moi j'en peux plus! J'arrive plus à avancer! Oh, allez les gars! Encore un petit effort! On n'est pas des mauviettes, les potes! Suivez-moi, je connais un raccourci! Ouais! Arrête! On n'en peut plus! S'il te plaît, juste une petite pause! Encore? Mais ça va pas! Si on veut pique-niquer à la rivière, on n'a pas intérêt à traîner! Arrêtez-vous! Hé! Hey, on est perdus! Oh, c'est pas vrai, Roger. Toi et ton raccourci bidon. Pas de panique. On doit pas être très loin. Suivez-moi, les gars. Moi, je suis trop crevée. Allez, on peut pas rester là. Eh ben, si on peut. Oula. J'ai compris. La rivière. Super. J'ai trouvé le chemin. Levez-vous. Je vous dis que je sais où est la rivière. Ah bon, et alors c'est encore loin d'ici? Non, seulement 2 kilomètres! Laisse tomber, Roger, on n'a qu'à rester là. Tu veux pas t'asseoir un petit peu avec nous? Tu veux pas juste redevenir comme avant? C'était super, mais faut y aller tout de suite si on veut pas rater notre bus. Oh. Roger? Hein? Ouais, Roger, t'es redevenu Roger.
Cool. Yahoo. C'est super. Ouais. J'espère que je ne vous retarde pas trop. Non, 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 t'inquiète pas, Roger. Prends tout ton temps. On n'est pas pressé, on t'attend. Tu sais, c'est pas important si t'es tout le temps à plat plat. Nous, on t'aime bien comme tu es. Alors, on pourrait pas faire une petite pause? Si tu te traînes et que t'en as toujours plein les pattes, c'est quand même plus cool pour les copains que d'avoir une fusée dans le train. Un skate avec toi. Je peux peut-être me faire une queue de cheval. Des couettes. C'est pas la peine. Ces trucs-là, ça te tient jamais. Oh, mais si, regarde. Comme ça, tu pourras faire des pubs pour Yeti. Ah, en fait, Jimmy, tu ferais pas la méga descente avec moi? Je vois. Il va falloir qu'on utilise les grands moyens. Assieds-toi là, je reviens tout de suite. Les cheveux qui poussent. Hein? Oh, vos cheveux?
ça me décoiffe. Vos cheveux poussent. Ils poussent. Ça alors, c'est dingue. Il suffit que je dise pousse pour que... Oh, merci, jeune fille. Merci. Yo, je suis... Super cheveux en pétard. Incroyable. Mais toi aussi, tu pourrais, hein? Pousse! Ah! Et les amis, admirez la nouvelle coupe Hummer en roller de Flore! Trop moche, la coiffure de Flore! Waouh! Trop stylée, ta nouvelle coupe arc-en-ciel! Moi aussi, j'en veux une comme ça! Fais-moi un super look! Ah, moi aussi! Moi aussi! Moi aussi, Vanessa! Vous en faites pas, il y en aura pour tout le monde! Vanessa, t'as rien perdu du tout. Donne-moi la main. Allez, monte. Si t'as les cheveux comme un yeti, découvre pas, c'est trop mimi. Mais quand t'es aux toilettes, les laisse pas tremper dans la cuvette. Pas du tout, pourquoi? Carmen!
Ça doit pas être drôle tous les jours, t'es tic. Et ça le fait aussi quand tu dors. Arrête, Carmen. Paraît que plus on s'énerve, plus ça le fait. Je l'ai lu dans un livre. Mais t'allais où comme ça, avec ta belle chemise? Ben, Carmen et moi, on avait rendez-vous pour préparer l'exposé. Regarde ce que j'ai trouvé. Attends, t'as pas eu mon message. Cet exposé, je l'ai fait plus avec toi. Ah bon? Mais non, c'est une blague. Écoute, je t'aime bien, Johan, mais franchement, tu me vois, moi, avec tes tics devant toute la classe. C'est juste trop la honte. J'ai dit à la maîtresse d'échanger. Oui, maintenant je le fais avec... Salut les filles. Alors Carmen, on le prépare cet exposé? Non. Oh, hey Johan, super les photos. Tu me les prêtes pour mon exposé avec Carmen? Oui, et puis t'as qu'à les garder, vu que moi j'en ai plus besoin. Merci, t'es un chic tic. Je veux dire un chic type. Avec tes réflexes, non, c'est mon super pouvoir, car je suis super tic. Il y a 5 océans sur notre planète. L'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, et il y a aussi l'océan Antarctique. Ah! Hé, ça va pas la tête? Un peu de silence, je vous prie. Bien, continuez, je vous écoute. On a surnommé la Terre la planète bleue parce qu'elle est... C'est parce qu'elle est composée d'eau à 70%. Et... Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu nous fiches la honte, là. Carmen, Jimmy, voulez-vous immédiatement arrêter vos singeries? Je voudrais bien, madame, mais c'est pas moi. On dirait que quelqu'un m'oblige à le faire. Continue, c'est marrant. Oh. Arrête tout de suite, Jimmy. Désolée, madame, mais j'y suis pour rien, moi. C'est maman qui a... Ça suffit, j'en ai assez entendu. Je vous mets un zéro à tous les deux. Non, elle va quand même pas oser faire ça. Zéro, madame. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe?
Bon, écoutez, je vais bien passer l'éponge pour cette fois. Allez, sortez, le cours est terminé. Johan, t'as été grandiose. T'as peut-être des tics, mais t'as surtout le chic. La maîtresse qui danse avec nous en classe. Johan, t'es trop fort. Je vous promets que c'est la dernière fois que je présente un exposé avec Jimmy. Je préférerais encore le faire avec Tic Tic. Encore faudrait-il que je sois d'accord. Rêve pas, je disais sa façon de parler. Si quelqu'un s'amuse à imiter tes tics, c'est pour que les gens te prennent pour un idiot. Mais si tous tes copains rappliquent et décident pour te soutenir d'imiter tes tics, c'est lui qui aura l'air idiot. Après toi, Isabelle. Oh. Attends, voilà. Ça va, je peux encore me servir de mes mains. Ah. Allez, passe, petit Louis. Allez. Oh. Allez, passe la balle. Je peux jouer. Isabelle, on est en train de jouer au foot. Ah. Je suis peut-être en fauteuil roulant, mais je sais comment me débrouiller. Je peux faire un super gardien. Évidemment qu'elle peut être votre gardien de but. Et l'équipe qui gagne le match remporte le ballon. Quoi? Comment ça? Mais il est à moi ce ballon. Un match, il a dit? Oui, d'accord, pourquoi pas. Allez, on va leur mettre la pâtée. Je crois que je peux dire adieu à mon ballon dès maintenant. Déjà qu'on était les moins forts, alors là, on n'a plus aucune chance. C'est parce que je suis en fauteuil roulant que tu dis ça? C'est pas ce qu'elle voulait dire. Peut-être, mais elle l'a pensé. C'est du tout cuit ce match, il est gagné d'avance, les gars. Igor, qu'est-ce que tu fabriques dans mes cages? Ben, c'est parce que t'es un peu... je me suis dit que peut-être qu'un petit coup de main, ça pourrait être pas mal. Isabelle, où tu vas? Attends! Ça va, j'ai compris. Vous avez pas confiance, vous êtes tous des gros nuls. Alors salut! Bon alors, on le reprend ce petit match ou quoi?
Ils ne m'ont même pas laissé une chance. Je les déteste. Je les déteste tous. Et toi aussi, je te déteste. Coincée ici comme une idiote. Je peux même pas aller m'acheter une glace chez Igloo l'Eskimo pour me changer les idées. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Une boule vanille, s'il vous plaît. J'aurais bien envie d'aller manger cette glace dans la cabane en haut de la colline. Waouh! C'est génial! Je peux me téléporter! Je suis super roulette! Tiens, et si j'allais faire un petit tour au square? Oh, c'est qu'une bande de tricheurs! Il faut que j'aille dans les cages! Hey! Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Isabelle, comment t'as fait ça? Je te l'avais dit que je pouvais faire le gardien. Il y a combien? 8 à 1. Pour eux. Allez, Igor, on attaque. Ouais, Elliot, à toi. D'accord, tiens, petit Louis, repasse à Isabelle. Mais c'est quoi ça? J'y crois pas. Elle est montée sur des ressorts, celle-là, ou quoi? Il mène encore 8 à 7. Il faut marquer, les gars. Vite! Vite! C'est fini! 8 partout! On est les meilleurs! On est les champions! On était fichus et grâce à toi, on est remonté. T'as été génial! Oui, on a été injuste. C'est à cause de ton... Enfin, on a eu tort. T'as été parfaite. Hey, vous criez victoire, mais attention. Je vous rappelle, bande de minus, qu'il y a match nul. On fait les tirs au but maintenant, quand les deux gardiens se préparent. Ouais, bravo, Igor. Si on arrête ces pénaltys, on gagne. Oui. Vas-y, Isabelle, à toi de jouer maintenant. Mets-leur en plein la vue. J'ai perdu mon pouvoir. Choisissez un autre gardien. Non, c'est toi notre gardien. Ouais, allez, à toi Isabelle. Tu vas y arriver. Alors là, Isabelle, tu l'as vraiment bien eu, gros loup. Ouais, c'est vrai, respect. Tu nous as vachement bluffé sur ce coup-là. Ben quoi? C'est vrai que c'était pas mal ce qu'elle a fait, Isabelle. Mon ballon, merci beaucoup. Même si t'es sur des roulettes, on doit pas te prendre pour une mauviette. Et ceux qui disent que tu ne vaux rien, c'est parce qu'en fait, c'est eux les vrais vauriens. T'es jaloux, t'es parano. T'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Les mini-justiciers. Bon, y'a le feu à la boucherie, la bonne bavette.
Encore toi, le morveux? On t'a dit 100 fois que c'est interdit d'entrer dans la caserne. Allez, file! Je veux aller avec vous! Je veux sauver des gens! Je veux devenir pompier! Merci, Natacha. C'est obligé de danser à ta bouffe parce que moi, la danse... Dis, il y aura du hip-hop parce que moi, j'adore ça. Hey, Natacha. Bonjour. Igor, t'es vraiment dégoûtant. Eh, oh, le mou du pif, des campous, je te fais griller la morve. Je crois que tu me fais peur, espèce de gros... Natacha, tu n'as pas invité ce morveux, j'espère. Bien sûr que non. Rien à voir. Désolée, beauté, mais je tiens mes poils. Gros loup, t'as pas vu Natacha? Elle est restée là-haut. Je vais chercher de l'aide. Viens voir Natacha. Je vais te sortir de là. Igor, c'est toi? Non, je suis pas Igor. Je suis Super Snurf. Allez, viens vite.
fichu. Ils vont griller comme des merguez, ils sont cuits. Oh, regardez, j'ai vraiment aucune envie de finir en poulet rôti. Ça n'arrivera pas. Hein? Accroche-toi, on va sauter. Mais je veux pas m'écraser comme une crêpe non plus. Super Snurfle, t'es vraiment super, t'es mon héros. Je veux t'inviter à ma prochaine boum. Et toi, Natacha, tu es ma princesse. Non, c'est pas vrai. Encore toi, le morveux. Je crois bien que j'ai perdu mes pouvoirs. N'empêche, vous auriez vu comment il a risqué sa vie pour nous sauver? Ça oui, Elliot a raison, Igor il est trop fortiche. Dans ce cas, et si on lui faisait passer le test pour entrer chez les pompiers juniors? Oh, alors c'est très... Bon, c'est d'accord pour le test, il va quand même falloir penser à soigner ton rhume, mon garçon. Allez, ramène-toi, poulette. Vaut mieux pas que tu traînes avec cette usine à morve. Lâche-moi. J'ai rien à faire avec une poule mouillée déguisée en loup. Allez, viens, Igor. Tu peux très bien faire pompier avec la morve au nez. Et si jamais tu te fais griller, alors ça fera tout plein de crottes de nez. T'es jaloux, t'es parano. T'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Les mini-justiciers. Margot, ça te dit qu'on se fasse un cinéma? Fernand, vite à terre! Natacha a perdu le contrôle de son deltaplane! Fernand, tu vois pas qu'ils te font marcher? Ben quoi? Un deltaplane qui tombe, c'est possible! T'es vraiment prêt à croire n'importe quoi, toi! C'était super malin, les gars! Merci! Elle est ceinture noire de karaté, elle peut casser 10 briques avec sa tête. Je vais tous vous attraper. Je suis les fantômes de l'école. Tu m'attraperas pas. Faites gaffe, le voilà. Dépêche-toi, Fernand. Il y a un tigre qui s'est échappé du zoo. Et en plus, à ce qui paraît, il adore manger les bananes. Ouais, c'est ça. Vous êtes encore en train de vous moquer de moi. À l'aide. Sauf qu'il peut. C'est le tigre. Dépêche-toi de t'enfuir. Oh, mais c'est pas possible. T'es sûr qu'il aime les bananes? Attention, faut pas courir. Par contre, faut effacer les traces. C'est un chasseur de tigres qui m'a appris. Regarde. C'est vraiment malin, ça. À force de me raconter tout le temps n'importe quoi, je vais plus jamais vous croire. Et puis de toute façon, je vous déteste. J'en ai marre que les autres soient tout le temps en train de se moquer de moi.
Je suis vraiment beaucoup trop naïf. Je vais être sympa, je te rends ta banane. Mais non, sois pas fâché, Fernand. Faut dire que t'es un peu bébête aussi de croire qu'il y a un tigre en liberté. Ben quoi, un tigre dans un parc, c'est possible, hein? Ouais, c'est ça. Et pourquoi pas deux tigres même pendant que tu y es aussi? Ben ouais, tiens, pourquoi pas. Tigre. J'hallucine. J'ai l'impression que tout ce que je crois se réalise. Je suis devenue super je crois tout. Arrête de délirer, Fernand, vite. Calme-toi et laisse-moi me concentrer. Je vais nous sortir de là. C'est comme ça que tu t'y prends. Qu'est-ce que t'as fichu? Ben, je me suis dit que les tigres, ils avaient peut-être peur des fantômes. C'était bien tenté, Fernand, mais t'as pas eu la meilleure idée, là. Ça y est, je sais ce qui va nous sauver. J'aurais jamais cru que cette dame, c'était Mémé Karaté Kid. Ben, pourquoi pas? Tu vois bien que c'est possible. Eh oh! Margot! Margot! Oh! T'en fais pas, t'auras d'autres occasions. Non! Je veux que ce soit possible maintenant! Tu sais quoi? Il y a Natacha qui vient vers nous en deltaplane. Fernand, attends-nous! Laisse-nous venir avec toi! Tu savais, toi, que Natacha savait? Ouais! C'est trop cool! On vole comme des oiseaux! Wouhou! Maintenant, à toute vitesse! Ouais! Fernand, donne-moi la main. Fernand, on est trop lourd, on risque de s'écraser. Vite, tous sur le côté. On va y arriver. Natacha, pose-toi sur le toit de l'école. Eh ben les gars, on peut dire qu'on a eu chaud cette fois. Hé Natacha, je savais pas que tu faisais du deltaplane. Ben, pour tout te dire, moi non plus. C'est parce que je suis devenue super je crois tout. Tout ce que je crois, ça se réalise ensuite. Ah, c'est pour ça. Mais alors, ça veut dire que tu peux exaucer tous nos vœux? Tu voudrais bien croire qu'on s'envole dans une fusée? Ou encore mieux, qu'on soit sur un énorme dragon qui crache du feu. Igor, non, pas un dragon. Même moi, je ne peux pas croire que ça existe. Oh non, j'ai perdu mon super pouvoir. Dommage, c'était trop cool. Et maintenant, comment on va faire pour redescendre? Je sais, on n'a qu'à appeler mon père, il nous ramènera en hélico. C'est vrai? Ton père, il a un hélico? Quand on est trop crédule, on est ridicule et tous les autres se moquent de vous. Pourtant, un tigre dans un square ou une mémé karatékite, c'est pas impossible après tout.
frelon que t'es serré dans tes pantalons. Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Les mini-justiciers. Je vais patiner avec Tony pour le concours. Et toi alors, t'as demandé à Jérôme? Ben, c'est que j'ose pas trop. Mais c'est bête, en plus tu sais bien qu'il veut patiner avec toi. Tu veux que je demande pour toi? Tu voudrais bien faire ça? Allez, viens! Alors c'est d'accord, on fait ça. Vous savez quoi les filles? Jérôme, il fait concours avec moi cet après-midi. Allez, viens, on n'a pas de temps à perdre. Faut qu'on aille s'entraîner, Jérôme. Oui, d'accord. Bon, bah alors, bonne chance pour le concours, les filles. Tu vois ce qui se passe quand on n'ose pas dire les choses? Salut, Léon. C'est ton jour de chance. Je t'ai choisi pour être ma partenaire tout à l'heure au concours de patinage. Hein? Toi et moi, ça va déménager grave. Et là, t'as même pas osé lui dire non. Hé, hey, Roberta, t'écrases le pied de Léon avec tes grands panards. J'y crois pas, Léon. Tu pouvais pas me le dire avant? À cause de toi, je me paye la honte devant tout le monde. C'est parce que j'ai pas osé. Si t'as trop envie de faire pipi, demande à la maîtresse. Je sais, mais j'ose pas. Léon, puisque tu as la bougeotte, tu n'as qu'à passer au tableau. Burk, t'es dégoûtante! Léon! Léon! Qu'est-ce que tu fabriques? Carmen savait très bien que tu voulais patiner avec Jérôme. Alors viens, on va aller lui parler. Non, non, c'est pas possible. J'oserai jamais. Et puis en plus, j'ai oublié mes patins. Arrête de mentir. Ils sont là, tes patins. Je vois tes lacets qui dépassent du sac. Mais de toute façon, j'oserai jamais patiner devant tout le monde, même avec Jérôme. Imagine un peu si je me casse la figure en plein milieu. Oh là là, c'est sûr que si tu patines pas, tu risques pas de tomber. Et tu sais, Madame Jospin, si tu n'oses jamais rien, il ne t'arrivera jamais rien dans la vie non plus. Léon! Où es-tu, Léon? Vraiment trop nul d'avoir oublié tes patins, Léon. Pour la peine, je vais me trouver quelqu'un d'autre. C'est vrai que je suis trop nul. Méga et archi nul, on peut même dire. Moi, je fais le concours avec Vanessa. On est les cinquièmes à passer. Et toi alors, Léon? Il paraît que t'as oublié tes patins. Ah, t'es horrible, Greg. Va péter ailleurs, espèce de gros dégoûtant. Bah toi qui disais rien, qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Ce qui m'arrive, tu vois, c'est que je me laisse plus faire. Je suis devenue Super Jospin. Comment est-ce que j'ai réussi à lui balancer tout ça? Comment j'ai fait? Non mais qu'est-ce qui m'arrive? Dis, Roberta, tu veux pas pousser tes grands pieds? Tu bloques tout. Allez, Jean-Loup, vire un peu tes fesses du passage. Génial, c'est incroyable. J'ose tout dire maintenant et ça sort tout seul. Je peux pas m'en empêcher. Ben alors, tes patins, tu les as retrouvés? Et toi, t'as toujours ta langue de vipère? Allez, dégarpie maintenant, parce que Jérôme, il patine avec moi. Y a Dédé qui cherche une partenaire, si tu veux. Dédé! Y a Carmen qui veut patiner avec toi! J'avais trop envie qu'on patine tous les deux. Et j'ai été trop bête de ne pas oser te le demander. Tu veux? C'est vrai? Je suis d'accord. Et
oh, Jérôme, ça va pas, non? Et tu lui dis rien. Désolée, Carmel, mais je crois que je vais aller patiner avec Léon. Et puis, tu seras pas toute seule. Tu peux aller avec Dédé, il cherche quelqu'un. Patiner avec Jérôme? Je savais que tu pouvais lui demander. T'es génial. Et Carmen, elle va avec qui? Elle a trouvé un remplaçant. Allons-y, c'est à nous. On va leur faire un numéro du tonnerre. Waouh, Léon, t'es hyper forte, c'est incroyable ce que tu patines bien. Merci. Si on tentait le triple loop, qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Grâce à toi, on a réussi à faire cette super figure. T'es vraiment une fille géniale. Allez, si on leur refaisait un petit triple loop pour la forme. Je suis désolée, j'ai perdu mon super pouvoir. Je peux plus le faire, Jérôme. Je n'ose plus rien faire du tout maintenant. T'as vu l'allure de Léon? On dirait qu'elle est jamais montée sur des patins de sa vie. Ouais, elle fait moins la fière, là. Elle doit avoir trop la honte. On peut pas s'arrêter là, Léon. Ce serait trop bête. On a fait des super figures. Ferme les yeux maintenant, je vais te guider. T'as raison. On va la gagner, cette coupe. Eh ben, on leur a montré la plus belle gamelle de l'histoire du patinage artistique. Si t'es du genre à rien oser par peur de te tromper, fais donc le test et plante-toi une bonne fois. Tu verras bien que le monde ne s'écroulera pas sur toi. Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Les mini-justiciers. Soit nickel, sinon tu seras privé de dessert. Dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, à l'heure où blanchit la campagne... C'est pas de ma faute, c'est ce cartable qui est mal fait. Ah! Elles sont 10 fois trop petites, ces tables. Oh, génial! C'est quoi vos collections? Et tu fais attention, hein? Ceux-là, ils sont précieux. Ben évidemment, tu me prends pour qui? Chouette! Vous savez, moi aussi, j'ai une super collection de petits soldats. Je vous la montrerai quand je la retrouverai. C'est pas possible, Raoul! Regarde le bazar que t'as fichu! T'es un vrai bulldozer ou quoi? C'est bon, te fâche pas, je vais vous aider à ranger. Non, surtout pas, on va le faire. Tu touches plus à rien du tout, s'il te plaît.
Oh là là, ça va! Vous êtes vraiment trop maniaque! On dirait ma mère! Oula! Finalement, j'insiste! Je tiens vraiment à vous aider à ranger tout ça, les gars! Non! Fiche le camp! Soyez sympa! Oh non! Ah! Tiens, salut Dino! Alors, comment ça va pour toi? Tiens, te voilà le Minus, tu tombes bien, c'est toi que j'étais en train de chercher justement. Alors, quand est-ce que tu vas te décider à me rendre mes haltères? Ça fait déjà un mois que je te les ai prêtés. T'es quoi déjà? Ah oui, tes haltères, c'est ça. Ben en fait, tu vois, c'est que je les ai perdus. Qu'est-ce que tu dis? T'as perdu mes haltères? T'es pas plutôt en train d'essayer de te les garder? Non, je te jure que non! Je les retrouve pas! Je veux que tu me ramènes mes haltères aujourd'hui. T'as bien compris? Sinon... C'est pas possible! Elles n'ont pas pu disparaître comme ça, ces haltères! J'en ai plus que ras-le-bol de tout ce désordre! Ça me fatigue, j'en ai trop marre! Oh! Bon alors, où sont passés les haltères de Dino? C'est quoi ça? Hein? Oh! Alors ça, c'est totalement incroyable, mais c'est trop génial! Je suis devenue Super Bazar! Cool! Ma collection de soldats! Vous étiez cachés où? Ouais! Les haltères, je suis sauvée! Ah! Non, Raoul, interdiction d'approcher! Hein? Waouh, comment t'as fait ça? Je suis Super Bazar, le roi du rangement. Mais c'est génial, t'as de la chance. D'ailleurs, tu voudrais bien m'aider à ranger un truc? Oh ouais, moi aussi Raoul. Franchement, Antonin, ta chambre, on dirait celle de Raoul. Ouais, c'est vrai. Alors là, Igor, la tienne, elle est encore pire que celle de Raoul. Et voilà. Prenez donc exemple, les gars. Ouais, c'est ça. Tu disais quoi au juste? Dis donc, les gars, vos chambres, elles étaient vraiment en bazar. Peut-être, mais la tienne, elle était encore pire que les nôtres. Dino, ça y est, j'ai retrouvé tes haltères. Attends-moi là, je te les ramène en 2 minutes. Je t'attends 2 minutes et pas plus, hein, parce que sinon... Mais elles sont passées où? C'est pas possible! Je me souviens bien de les avoir rangées pourtant! Dino va m'écrabouiller si je les retrouve pas! T'es sûr qu'elles sont dans ta chambre? Les 2 minutes sont écoulées! Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je suis fichu, il va m'écrabouiller! Dites-lui que je suis pas là! Aïe! Je les ai retrouvées! J'arrive! Je te dis pas merci, Minus! Ouf. Oh! T'inquiète pas, maman, je vais arranger ça en moins d'une minute. Oh, oh non! J'ai perdu mon super pouvoir. T'en fais pas, Raoul, on va t'aider. On te doit bien ça, non? Oh.
je peux vous dire que c'est la dernière fois que je range. Hein? Je voulais dire, la dernière fois que je dérange. Si tu n'aimes pas ranger ta chambre, il vaut mieux ne pas émettre le désordre. Parce qu'ensuite, il faudra que tu la ranges. Et tu peux me croire, c'est pas si facile de tout remettre en ordre. Oh! Trop long que desserré dans tes pantalons. Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et mini-justicier. Et soyez sages, surtout. Je reviens tout de suite. C'est la danse des gringoins. Et celle des proutes-proutes. Proutes-proutes-proutes. Là, la maîtresse. Hein? Que tout le monde sorte une feuille blanche. Contrôle surprise de conjugaison. Oh non. Hé les gars, j'en ai une super bonne. Comme tortiller tes fesses en classe, merci, sans façon. On a déjà tous été punis à cause de ton numéro de tout à l'heure, alors... Ouais, lâche-nous une bonne fois pour toutes avec tes blagues pas drôles. Vous l'aurez voulu, mais vous savez pas ce que vous perdez. On va au square. Tu peux venir si tu veux. Pourquoi faut toujours que tu fasses des blagues? C'est pour qu'on s'intéresse à toi? Eh ben, je veux te dire un truc. Ça fait carrément l'effet inverse. Attendez, Yvon, c'était juste pour rire. Peut-être. Mais c'était nul. Hé les gars, vous avez déjà vu Lulu déguisée en je trouve gourmand? On va s'en payer une belle. Tu sais quoi? On n'en peut plus de tes blagues nulles. Eh ben vous, vous n'avez aucun humour. Vous n'êtes qu'une bande de ringards. C'est peut-être ton humour qui est pas drôle. À vrai dire, c'est toi le ringard. C'est sans doute pour ça que t'as pas de copain. Jimmy, j'en ai une bonne. Tu sais comment on appelle un chou qui est dans l'eau? Un chou marin! C'est plus trop mon truc, les blagues. J'ai arrêté. Alors, s'il te plaît, maintenant, va-t'en et fiche-moi la paix. Jimmy, tu sais quoi? T'es pas drôle! Je sais. Bonjour, je voudrais un croissant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Je vous demande...
toi combien, s'il vous plaît? Tu peux faire une croix sur ton chaton. Salut Carmen, langue de vipère. Carmen, t'es un monstre. Tu n'as pas de cœur. Je suis drôle. Je dirais même plus, je suis méga drôle. Je suis super farceur. Alors, qui a fait ça? Il est où? Et toi? Laisse mon copain Yvon tranquille, ok? C'était moi. Jimmy? Vous en faites pas, les gars. Je vais m'en occuper. Alors, Minus, c'est toi qui m'as fait ça, hein? Oui, c'était une de mes blagues. Je suis super farceur. Les gars, je me suis dénoncé. Alors vous pourriez me filer un coup de main. Sinon il va me massacrer. Il va se faire ratatiner la tête en quelques secondes. T'as raison mon petit gars. Je vais trop peindre toute la façade en rouge. Et regarde, regarde, t'as une grosse tache là, pistache. Alors là, il a signé son arrêt de mort. Caca, prout, prout, croque de mammouth, vomi de chevreuil pourri. Sacha, caca, zigounette, goulou, goulou, crotte de nez, boudou, boudou. Super farceur en action, vainqueur de Sacha le scélérat. Je l'ai mis KO, il a bobo, je l'ai mis tout petit, il a fait pipi sur lui. Jimmy, attention derrière! Hé hey Jimmy, j'avais parié comme ça depuis belle lurette, tu sais. Merci, petit gars. On peut dire que t'es le roi du rire. Ça vous fait marrer, vous? Vous vous rendez pas compte que j'ai failli mourir de peur? Hé hey Jimmy, il prend pas mal, mais tu sais, c'est quand tu fais pas exprès que tes blagues sont les plus rigolotes. Si tu veux faire rire les copains sans passer pour un rigolo, évite de trop jouer les malins en te moquant d'eux derrière leur dos. T'es jaloux, t'es parano. T'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et mini-justicier. Gaspard, tu m'attends là. Mais maman a dit que je devais rester avec toi. Pour que je me paie la honte de ma vie, il n'en est pas question. Ah, Vanessa, au secours! Voilà, Vanessa, c'est dingue ce qui schlingue. Tu le connais? Je suis son petit frère. Je l'ai jamais vu.
non. Dites-moi que c'est pas vrai. Gaspard. Je suis désolée, Vanessa, c'est à cause du chien, il voulait... Écoute, tu restes derrière et tu ne parles pas. On ne se connaît pas, t'as pigé? Pokémon avec moi. Personne veut jamais jouer avec moi. Eh, vous avez vu un peu comment ils décampent quand j'arrive? Ça, c'est la classe. Boss, c'est pas à cause de toi, c'est... Ah, c'est toi, pu des pieds. C'est quoi le parfum aujourd'hui? Crotte de mammouth. Eh, mais qui je vois là? La grande sœur. Alors, ma poulette, on vient faire un petit bisou à son gros loup. Non, mais ça va pas la tête. Autant embrasser un gros crapaud poilu, mon poulet. Hé, hey, Gaspard, c'est vraiment trop sympa de ta part de jouer Allez, avec Oust, moi. Allez, on rentre. Au fait, Vanessa, tu accompagneras ton frère à l'école demain. J'ai rendez-vous chez le dentiste. Oh non, maman, j'en peux plus de me farcir cette boule puante sur pattes. Vanessa... Bah quoi? C'est vrai. Il y en a marre de toi, puis des pieds. Marre, tu comprends ça? C'est ça, défoule-toi, vas-y. Tout le monde me rejette. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est malin, Vanessa. Tu accompagneras ton frère demain, compris? Et promets-moi d'être gentille avec lui. Fallait aussi que tu te déguises en clown. Je ne suis pas en clown. Je suis en super pulé pied. Regarde un peu ça. Alors Vanessa, t'as vu, hein? T'as vu ça? Hé, Vanessa, toi et ton frère, tu chemoutes grave. Quand vous passez là, vous changez de trottoir, pigé. Ça va, Valentin? Gaspard, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai vengé l'honneur de la famille. Qu'est-ce que tu crois? Je suis super pu des pieds. Ah ah, tu croyais t'en tirer comme ça, hein, ma poulette? Fiche-moi la paix. Ça va chauffer, Gaspard, fais-le ton truc, là. Ce que t'as fait à Valentin. Ah, alors, quand ça t'arrange, je suis plus la boule puante sur pattes. Hein. Allez, super pute des pieds. Alors ça, ma poulette, tu vas le regretter. T'as intérêt à pas toucher à ma sœur, ou je te refais la façade. Hé, les gars, visez-moi ça. Super camembert à la rescousse. Je m'appelle Pu des pieds. Super Pu des pieds. Super camembert, c'est toi, mon pote. Écrasez-moi, ce minus. Oh non, Gaspard, t'es où? Est-ce que ça va? Réponds-moi.
Oh là là, tu m'as fait une de ces frousses. Waouh, t'es trop fort, petit frère. Allez, tous ensemble pour Super Pu des pieds. Je crois bien que j'ai perdu mes pouvoirs. Je te confirme, tu les as bien perdus. En attendant, file à l'école. Gaspard, tu sais, je... Si tu veux, je viens te chercher à la sortie, d'accord? Gaspard, tu veux bien jouer avec moi? Non, Gaspard, avec moi. Eh, c'est moi qui ai demandé avant. Igor, ça te dirait une petite partie de Tokémonde? Si t'es un petit malin et que tu pues des pieds, tu peux quand même te faire des copains. Mais attention, faut qu'ils aient le nez bouché. Mais je crois qu'il t'a pas vu. Personne me voit jamais, de toute façon. On dirait que je suis transparent. C'est comme si j'existais pas. Mais non, ne dis pas ça. C'est pas vrai du tout. C'est juste que t'es un peu discret et que du coup, les gens ne te remarquent pas beaucoup, c'est tout. Moi ! C'est le théorème de Pythagore. Très bien, Igor. Ça va de 0 à l'infini. C'est juste, Greg. Jimmy ? Marie ? Et moi ! Mon petit Olivier est si timide et si réservé qu'hier, sa maîtresse l'a noté absent alors qu'il était bel et bien en classe. Tu te rends compte un peu? Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Je me fais beaucoup de soucis pour lui, tu sais. Olivier, tu es là? Ouvre-moi! Non, je suis pas là! De toute façon, je suis jamais là pour personne. J'existe pas. Et je déteste tout le monde! Olivier,
Je n'avais pas vu. Mais mon chéri, tu n'as pas pris ton petit déjeuner. Attention! Surprise! Regarde ça. Tata. Oh, t'as perdu ta tête. Et pas que ma tête, mon pote. Je suis super invisible. Eh, hey, petit Louis, tu vois ce nigo de Greg là-bas? Regarde un peu. Alors, mini Louis, qu'est-ce que tu m'as apporté de bon à manger aujourd'hui? Non, il va encore vouloir lui piquer son goûter, ce goinfre. Il va voir si je suis timide. Ce coup-là, je vais pas le louper. Bon, maman... Désolée, Igor, c'est une urgence. Ah! Allez, Rikiki Louis, plus vite que ça. Tu es en train de me faire attendre. Tiens, régale-toi avec ça, grosse truffe. Beurre! Ah, c'est dégueu! T'as cru que t'étais drôle, Minus? Moi? Mais j'ai rien fait. Tiens! Aïe! C'est toi le comique, espèce de goinfre granulide. Alors ça, moi, Lulu, ça m'aurait pas plu. Vas-y, conne-lui dessus. Ratatine-le en gélatine. Allez, Lulu, fais-en de la bouillie de cerise verte. Pauvre petit Louis, il va se faire massacrer. Lucien va le transformer en chair à pâté. Au secours, à l'aide, je veux pas partir en orbite. T'inquiète, je suis là. Ça, tu vas me le payer très cher. Tiens. Oh. Et ça, c'est pour mon goûter. Non. T'avises plus jamais de piquer le goûter de mon pote. T'as pigé? On l'a eu, petit Louis. Il est KO. Allez, top là. Ouais. Top là. Hé, hey, regardez. Mais c'est Olivier. Il est tout nu. J'ai comme l'impression que j'ai perdu mon pouvoir. Tu lui as filé une sacrée leçon à Lulu. Waouh, Olivier, trop fort! Comment tu nous as bien fait marrer! Ouais, c'est vrai! Bah, pour quelqu'un qui se plaint que personne ne voit jamais, je trouve que tu passes pas trop inaperçu aujourd'hui. Ouais, ça, c'est ce que tu dis. Regarde-le, lui, là-bas, il m'a pas vu. Mais tu passes inaperçu, ben t'as qu'à sortir tout nu. Sûr qu'on verra plus que toi. Et tes fesses et tout le tralala. Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et mini-justicier. Thank you.
Désolé, j'ai pas le temps. Oh. Qu'est-ce que c'est? Une pétition contre la création d'un skatepark dans le square. Je voudrais pas être méchante, mais c'est pas avec tes 3 signatures que t'arriveras à changer les choses. Tu rêves? Tu sais, faut pas le prendre mal, Eva. Mais dis-nous, qu'est-ce que t'as contre le skatepark? Tu trouves que c'est pas écolo, le sport? Bah non, c'est pas écolo du tout, grand Nigo. Parce que pour construire leur skatepark, ils veulent abattre un super bel arbre centenaire. Ouais, c'est ça. T'as toujours de bonnes raisons pour embêter le monde, toi. Ça me rappelle une fois... C'est juste en face de l'école. Ouais, c'est vrai. On pourrait même venir un peu à la pause du midi. Bande d'égoïstes! Cet arbre est né il y a plus d'un siècle. Il est du temps de vos arrière-grands-parents. Mais vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est de faire du skate devant l'école. Bah c'est ça! Traite-nous d'idiots tant que tu y es. Moi, je vais te dire une chose. Ton vieil arbre, je m'en fiche. Et j'espère qu'ils le feront, ce skatepark. Ouais, ouais, c'est vrai. Nous aussi. Alors lâche-nous avec ton arbre. Tiens, la pétition contre notre skatepark? Hein? Je t'interdis de toucher à ça, Carmen. C'est important. Si c'est si important, viens la chercher. Les imbéciles. Bande de nuls! Vous êtes incapables de faire quelque chose pour votre planète. Par contre, inventer des méchancetés, ça vous êtes motivés. Et en plus, ils ont fermé le square. Arrêtez! Bande de barbares sans cœur! Laisse tomber, ils t'entendent même pas. Faut que je les arrête. Attends, Eva, on va te filer un coup de main. D'accord. Hey!
1 dans le 1000. Vas-y, Eva, montre-leur ce que tu sais faire. Tiens, super écolo, attrape ça. Eh oh, qu'est-ce qui se passe ici? Le vieux chêne maintenant. Si tu veux, je t'aiderai à faire signer ta pétition. Oui, moi aussi, j'en parlerai à tout le monde. Ouais, on va faire un foin pas possible, les gars. Ils n'ont qu'à le mettre dans le terrain vague, leur skatepark. Ouais. Ne t'inquiète pas, Lucien, je ne vais pas te transformer en citrouille. Je vous félicite, c'est beau la jeunesse. C'est plutôt la terre qui est belle, vous voulez dire. Défendre la nature, c'est bien. Mais ne blâme pas trop tes copains. Dis-leur plutôt ce qui te tient à cœur. Avec un gros et joli bouquet de fleurs.